Dans l'épisode précédent! Oui, d'accord. Bon, bah. Générique. Le lion ne m'effraie pas, j'en ferai mon affaire. Psychopathe! Tous les animaux sauvages. Oui, je me balance, et nous nous balançons. C'est un plaisir immense. Et on a vraiment l'air bon. Mes chers amis, j'ai faim. Non, t'as faim? Je te considère comme un débile. Mes chers amis, je vous ai formé à l'art difficile de la crotte. Vous avez commencé en faisant des petites crottes, puis vous avez fait des crottes moyennes. J'estime maintenant que vous êtes prêts pour la grosse crotte. Les hommes rôdent dans notre Ohio dans le but de nous baiser et de détruire nos familles. Moi, je dis que nous devrions tous riposter. Ah. Ils ne font pas le poids contre nous. Que le chasseur devienne le baiser. J'ai une idée, père. Ah! Qu'est-ce que ce petit humain peut bien avoir à nous dire? Il n'est pas de notre espèce. Tu fais chier, tais-toi. C'est pas toi qui va me faire peur, tu sens trop mauvais. Tu sens la crasse. Mais ton doigt t'entend, tu... J'ai envie de péter. Et qu'un gros saucisson qui pue. Qu'est-ce que tu suggères, Takina? Bonjour, bonne fête, des ballons, bien avec des petits qui ont fait que le bon regard, oui, là, oui, que non, mon gros, je m'en vais, non, ma, 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 fête, que le monde a le bon regard, le, bonne fête, petit doute, l'île, pas de bonne fête, pour faire, on t'a pas que le de bout, oui, de bonne fête, bonne fête, pas de bonne fête, pour que le de bout, de bonne fête. Merci, bye. Comme le veut notre coutume, nous allons tous réfléchir au plan de Takina. Ouais, pourquoi pas? Quelle histoire des plus extraordinaires, Madame Wathaby! Un peu comme ma vie! Alors, vous comprenez, professeur, pourquoi nous sommes convaincus qu'il est encore en vie? Parce que le Japon! De penser que votre fille soit cette... cette... Enfoiré! Sauvage que j'ai aperçue dans... Ohio. Encore du thé, madame? Non. Mon cher Major Wathaby, ce que le professeur et moi avons vu dans la jungle n'aurait vraiment pas pu être votre enfant, je vous assure. Il se comportait comme un con. Il se comportait comme un bœuf. Mais... Nous Je m'appelle Mailini. Partirons à l'aube. Ah! Au revoir, à demain. Mais qu'est-ce qui t'a pris? La ferme, crétin! Hé, hey, garçon, pourquoi fais-tu cette tête? Parce que le Japon... Oh, laisse-moi, Cricri, je veux être seul. Ouais, mais c'est pas toi qui décides. Mais j'ai droit à un peu d'intimité. Oui, ça y est, je sais, on s'en fout en fait, voilà, c'est ça, oui. Bien sûr, tout comme moi, j'ai droit à quatre pattes et à une bite. Attention, cet extrait a peut-être été sorti de son contexte.